Nous sommes capables de comprendre. Personnellement, c'est une journée qui est très difficile pour moi. Et puis 7h du matin, dans la rue, manifestation Miragouane, nous prenons gaz, lacrymogène Miragouane, ils ont arrêté le sénateur Kassi Miragouane, ils ont arrêté une dizaine de militants Miragouane. Pendant ma franchise, ma rentrée à Port-au-Prince, on apprend à travers la radio qu'ils ont arrêté Enol Florestal, on l'a dirigeant secteur démocratique là. Et à partir de ce moment, moi tout rentré dans le commissariat de Port-au-Prince pour me comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est là que je comprends, ce n'était qu'une plaisanterie. Pas de rien pour te reprocher. Sauf que Jovenel Moïse décidait. Faut qu'il y ait un pouvoir par la force. Faut qu'il y ait un pouvoir dans faire mon peur, dans l'intimidation. Faut qu'il y ait un pouvoir dans utiliser la justice, la police comme instrument de répression. Heureusement, sous pression population, Enol Florestal, lui joindre libération et la rentrer la caille. M'a tout apprendre nous ça. Pendant nan route la m'apprendre, yo tiré sous local secteur démocratique là dans Musso. Remercier la âme numéro 26. C'est comme si m'ta d'aujourd'hui a son journée de persécution contre le secteur démocratique, contre le local du secteur démocratique et populaire, contre les dirigeants du secteur démocratique et populaire. Mais une chose est sûre. Répression, intimidation, violence, menace par menace, ça va faire nous peur. N'a pas continué bataille, n'a pas continué mobiliser PIA pour PIA lever campé comme une seule femme, comme un seul homme, pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution. Et deuxièmement, bataille pour une transition de rupture, une transition qui permette nous faire procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belay, Cité Soleil. Une transition qui permette que nous fassions conférence nationale pour nous craser le système baisé sur ce qui s'est mis dans quatre pays. Bataille ça, nous ne pas blaguer, nous pour aller jusqu'au bout, jusqu'au triomphe des revendications du peuple haïtien. Et m'a dit Jovenel Moïse, s'il croit qu'avec la violence, qu'avec l'intimidation, la répression judiciaire, policière, l'a capable de quimber pouvoir. Au-delà de la fin de son mandat constitutionnel, il se trompe. Les 13 millions d'Haïtiens, les 13 millions d'Haïtiennes vont se battre pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution. Et à ce moment, comme Abdi Mounio, cherchez à manger, mettez la caille. Si allumette, cherchez petit gazoline, nous mettez, petit gaz, nous mettez dans la. Cherchez bois pain, cherchez petit maïmoulin, cherchez petit l'huile, cherchez sel. Cherchez-y du riz, nous mettez. Même si nous n'avons pas un corps prêté, le pays sera fermé dans les jours qui viennent pour faire respecter la Constitution. Parce que dans la bataille pour nous faire respecter la Constitution, nous n'avons pas fait bac. Arrêtez, pas arrêtez, nous avons poussé. Le peuple est avec nous dans cette bataille. Moi, ça qui passe Miragouane aujourd'hui, quand il y a des monde qui prend la rue, des milliers de monde. Moi, ça qui est dans la rue Port-au-Prince hier, ça qui est gagné Jérémy, ça qui est gagné Tigouave, Saint-Marc, Gonaïve, hier, 20 janvier 2021, dans quatre grosses journées de mobilisation nationale, comité de mobilisation citoyenne pour faire respecter la Constitution a été lancée. Ça a montré un peuple a déterminé et répression par répression, l'article 134-2 de la Constitution sera respecté et que a gagné en transition de rupture dans le pays. Faites Michel, il y a des gens qui pensent que la bataille a commencé à changer face dans le président ou bien dans le pouvoir. Bien sûr, il faut me dire ce qui s'est passé, Miragouane. Parce que faut me dire que cela s'est passé en ma présence. Je m'imaginais que cela était possible en 2021. Nous faisons une manifestation extraordinaire, Miragouane. Population qui accueille nous. Manifestation finie, la police dispersée. Moi-même, ma sénateur Kassine a rentré Port-au-Prince. Là, nous faisons quitter Kafou des Ruisseaux. Nous constatons qu'il y a une dizaine de militants. Mais c'est des militants extraordinaires. Des cadres du secteur démocratique et populaire. Des militants toujours là. On est en train Ben Skader, qui sont syndicalistes. On est en train Voltaire. On prend l'autre camarade qui a oublié. Nous disons, nous pas qu'à rentrer pas au prince. Gentil, on a arrêté le dépit. Et Tigouave, on vient libérer par la suite. Nous retournons dans le commissariat Miragouane pour nous faire libérer. Le mouvement, nous avons le commissaire du gouvernement. Il frappe moi, il dit, moi, il dit frappe, il frappe 20 moi, il dit, mettre la moi là, ou qu'on est des poulots sous compte. Moi, je dis ça, garçon. J'ai entré, je me téléphone, je me dis, monsieur, moi, ma sainte Kassi, pas pour aller, tant que militant n'est pas libéré. Faut le libérer pour aller. 20 minutes après, je me l'encore, je me l'ai fini. Après ça, moi, ma sainte Kassi, je rentre dans le bureau
directeur départemental de la police Nivla. Pendant nous dans le bureau, je me suis dit, monsieur, viens libérer les gens, parce que je ne peux pas quitter mon agro dans le sénateur Kassi tant que les gens vont libérer. Et puis, quelques temps plus tard, je suis rentré dans le bureau, directeur départemental de la police Miragouane. Je me suis dit, sénateur Kassi, d'ordre du président de la République, vous êtes arrêté. Je me suis dit, sénateur Kassi, je ne vais jamais arrêter. Le président dit, m'arrêter. Je me suis dit, sénateur Kassi, c'est sénateur Foukang Bam Diop dans Miragouane. Ou même, ou ce sénateur même Jean avec Foucault. Je ne vais pas jamais arrêter. Le président Jovenel Moïse, il m'a téléphoné personnellement. Il dit, je vais m'arrêter. M'arrêter d'ordre du président de la République. C'est-à-dire, nous sommes en 2021 en Haïti. Ou arrêter un citoyen. Ou pas dire le bon plainte qui a été portée pour lui. Ou pas dire qu'il y a des amis illégaux dans la machine. Ou pas dire qu'il a tué le monde. Ou pas dire qu'il y a un fils qui a été violé. Ou pas dire qu'il n'y a rien pour dire et pour dire d'ordre du président de la République Jovenel Moïse, vous êtes arrêté. Bref, Jovenel Moïse, définitivement, c'est un homme qui a perdu la tête. Tête, monsieur, pas fonctionné encore. Vous comprenez la situation? L'on vend les copes pétro-caribé. Vous faites massacre la saline. Massacre belle et cité soleil. Vous faites massacre pont rouge. Vous sentez seul Jean pour aller, c'est pouvoir pour Kembe. Pour tout temps, vous n'avez pas jugé. Mais là encore, c'est bien compté, mal calculé. Mandat constitutionnel Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Et au niveau du secteur démocratique et populaire, nous sommes engagés dans cette bataille pour faire respecter la Constitution. Au niveau de l'opposition, au niveau du comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution, on est engagé jusqu'au cou dans cette bataille. On ira jusqu'au bout et moi espérer transition ça, la porter vraiment en l'autre Haïti, en l'autre pays. Dans l'intérêt tout haïtien. Passez nous, et notre Floristal, qui fait vivre un moment difficile. Ce n'est pas la première fois qu'il va arrêter, il va arrêter déjà sous Martelly. C'est un combattant, il a le courage nécessaire pour faire face. Et notre Floristal, je t'attendais tout à l'heure, c'est Jelini qui a retracé comment il est arrivé à posséder à la station en Balimelali. On a les noms. Oui, oui. Moi, j'étais sous machine, moi, lui, on bat, il y a GBM, il y a GBM, il pour me descendre. Je me suis dit, monsieur dit, ça me dégaine même. Il dit, rien. Il dit, ah, là, pas là, yo. Parce que il pas jeune avec rien. Monsieur, vous comprenez, monsieur, j'ai bien, il pas faute, parce qu'il pas fait la police, yo même. Yo là, pour suivre, yo un espace, et puis, yo prend la ria, pour y a fait exaction sur le monde. C'est vagabondage, n'est-ce pas, c'est pas fait la police. N'est-ce pas, tiré, imbécilement, vous comprenez même, il a tiré, si c'est plus panique, yo créé. C'est yo qui fait tout le monde bailler la ria, parce que yo tellement tiré. Et faut que vous ayez une leçon parce que vous n'avez pas comprendre la police bien. Si vous avez fait la police, pas de rien sur la lia. Pas de rien. Seulement, il y a un caoutchouc qui a boulé. Moi, je passe à la machine normalement. Pas de rien, pas de roche capté, pas de rien. Imbécile, il arrive, c'est roche. C'est, alors, c'est cartouche. À droite, à gauche, à pied de tirer. Fait pression sur le chauffeur moto. Fait désordre, fait vagabondage. Pour rien. Enfin, nous devons là. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de kidnapping là, au plan là? Bon, mon cher, je n'ai pas de sentiment de kidnapping parce que moi habillé en GBN, malgré la machine n'est pas identifiée. Oh, il arrive là, dans le commissariat encore, policier, chef de poste a dit, il faut identifier pour le café, rapport, il y a couru. Ça veut dire des vagabonds, pas même comprendre ce qu'il a fait, même Jovenel Moïse utilisé. N'est-ce qu'il a pour surveiller par les nationales, les météo dans la rue pour faire vagabondage sur le monde. Confirmez-vous, il n'y a pas de courir faire ensemble avec vous. Bon, il n'y a pas faire gros parcours avec vous. Et seulement, il a tenté, il y a un grand backup qui était devant, il a tenté pour le rentrer dans le palais, mais il y a. Bon, m'lié non monsieur, mais quand même, il y a une qui était bon côté, m'lié dit non, papa la monsieur n'a pas l'air non. Et comme c'est, et comme, m'senti habitué à la moune n'a pas l'air déjà. N'a pas la monsieur n'a pas l'air non. Viré, bagaille pour le bouillon, bagaille. Également, c'est Jean Bagaille là, bagaille là, vraiment dit, négio, c'est vagabondage à fait, surtout négio, j'ai bien et m'a demandé, reste la police là. Pas suivre trace négio parce que
tôt ou tard, il y a besoin avec justice population. Tôt ou tard, la justice a arrêté, jugé, même j'ai fait pour attacher, pour Jovenel Moïse. Après ça, qui voit, est-ce qu'on pas peur, on va toujours continuer dans la bataille pour là. Ah, moi, j'ai pas fait ça. Gardez pas du tout. Bon, bah, c'est là, non, bataille, mon cher. Non, pas fait ça. Nous, non, bataille, non, bataille. Les agents IRGPN ont arrêté l'issue. Vous ne pouvez pas dire agents IRGPN. Si on sait des gens qui ont une uniforme sur les machines, ils ne sont pas prêts. Ils prennent le conduit dans le commissariat de Port-au-Prince. Donc nous-mêmes, nous là, nous venons porter support à Inolo et Florestan, ensemble avec tout l'autre monde qui a arrêté. Et nous avons gardé là, dans le commissariat, nous avons gardé ensemble des jeunes garçons qui ont arrêté. Vous étudiants qui sont dans la deuxième année de droit juridique qui est là. Il y a plusieurs autres personnes qui sont là, ce sont des gens qui sont victimes de violations des droits. Donc nous-mêmes, nous là, non seulement nous là pour nous faire des marches pour arriver à libérer Florestal, mais c'est continuer à faire des marches pour libérer tout l'autre monde qui a arrêté illégalement dans le pays. Mais nous, il y a un mec à mi faire qui a parlé sur le Zénith, il dit que les policiers UGPN n'ont pas aucune information, ils n'ont pas parlé de aucun biais, ils n'ont pas parlé de numéro de machine, ils n'ont pas aucune information, mais seulement déposé au là, ils seulement dit que il y a un tigre qui t'a fait, que ils ont seulement viré y aller, pas d'aucun engagement pour prendre après l'arrestation. Est-ce que même comme les gens qui viennent côté support et ils ont dirigeant dans l'opposition, est-ce qu'on peut confirmer l'information ça? Et qui j'en pensais ou bien qui j'en comprenais ça qui passait? L'information est confirmée. Soit disant agent IGPN, ils viennent là, ils n'ont pas de plaque dans la machine, la machine n'a pas de plaque. Et pendant que les policiers, les commissaires de Port-au-Prince, ont demandé pour bailler pièce, pour dire pour qui motif qu'ils ont arrêté Enol Florestal, ils ont viré non seulement pour bailler pièce, ils n'ont pas identifié. Donc est-ce que c'est agent IGPN qui a arrêté Enol Florestal? Ou bien est-ce que ce sont des bandits habillés au sein du palais national qui là qui fait du travail sale ça pour les pouvoir en place? Donc nous même pas dire ces policiers agents IRGPN, ce sont des individus qui portaient uniforme IRGPN sur eux, machine pas gain plaque, et les policiers commissariat de Port-au-Prince ont demandé pour identifier pour bail pièce yo, yo pas vrai. Les ont demandé qui est-ce qui va vrai dire qui est-ce qui est, et les ont demandé pour qui motif qui fait qu'il a arrêté Florestal, il n'y a pas aucun motif, il a couru y aller. Ça veut dire qu'il a engagé les policiers et les commissaires de Port-au-Prince, mais il n'y a même aucun monde qui a identifié qui est-ce qu'il est. Donc la seule chose, les vrais agents IRGPN doivent prendre responsabilité pour dire que les gens qui ont un uniforme IRGPN, qui pouvoir habiller, qui enlever les gens dans le pays, qui assassiner les gens dans le pays, n'ont pas engagé l'IRGPN et ont même laissé au compte qui responsabilité qui ont prendre par avec tout bandit qui habillé, qui gagne ni dans le palais national, ni en dans l'institution policière. Pour qu'il ne vous pas vous député, et je parlais avec Enol, non seulement, alors avant ça, je vais préciser pour tout auditeur, auditrice, ou bien téléspectateur, téléspectatrice. Ce n'est pas seulement dans le palais national, vous avez pris en route nationale numéro 1 avec Enol Florestal. Son moun yote kidnappé, son moun yote enlevé, vous mettez une machine devant, une machine derrière, lui-même vous mettez dans la mi-temps. Mais des moi, je suis avec qui ça lui dit bon. Non mais écoutez, tous les deux machines sont pas en plaque. Et ils n'ont pas identifié qui type de monde qui est dans la machine ça. Et agent IRGPN qui monte devant la machine et non Florestal là, il s'est cagoulé, il pas vraiment le figuil. Est-ce que c'est un bandit qui est aucun pas de monde qui a une réponse là? Ils ont pris route nationale numéro 1 avec Enol Florestal. Et là, ils ont réalisé qu'un bandit qui a gardé dans la zone là. Ils ont fini réaliser. Donc, il y a des gens qui doivent identifier les machines. Ils font l'autre réflexion. Ils disent plutôt nous entrer dans le palais avec elles. Et il y a des gens qui viennent trouver une situation difficile. Ils disent si nous entrons dans le palais avec elles, nous allons de l'autre façon. On a lagué dans le commissariat de Port-au-Prince. Donc, son véritable bagage, tête chargée qui gagne dans le pays. Nous ne savons pas qui est ce vrai policier. Nous ne savons pas qui est ce bandit. Nous ne savons pas qui est ce faux policier. Et chance pour nous, c'est dans le commissariat de Port-au-Prince qui est senti que. Ils ont encombré avec Enol, ils ont la gueule dans le commissariat de Port-au-Prince. Mais sinon, Enol est capable de disparaître, aucun monde pas de capable de pas jamais. Et l'autre monde qui l'a, il y a l'autre monde qui était aux alentours, l'autre jeune garçon qui était aux alentours. Du fait, au compte pour qui ça a arrêté, parce qu'elle a gardé la machine, ils ont dit si nous prenons Enol, nous ne pouvons pas tirer.
nous quitter monsieur, c'est qu'il y a bien trace. Yo prend monsieur, mais heureusement grâce à force canapé vert, face grâce à tout l'autre militant qui était présent yo, grâce à tout l'autre membre dans la population qui t'a suivi la gala au niveau de la rue, yo vinn trouver dans l'impossibilité yo assassiner non, yo vinn laguer dans commissariat de Port-au-Prince et même policier yo pas cap identifier qui type de monde qui vient la gueule dans le commissariat de Port-au-Prince, yo pas cap dire est-ce que c'est agent IGPN, tout simplement ouais deux machines qui gagnent le logo palais national mais yo pas connaît agent ça yo, est-ce que ce sont des vrais policiers de l'IGPN que yo pas bail pièce yo pas identifier yo les policiers servent yo pour courir aller donc maintenant ça pays et m'a tout dit ça. Go ensemble des jeunes garçons qui dans cellule commissariat de Port-au-Prince. Des moun yo arrêté dit fait que Jovenel t'a tenon en zone, gen moun yo sur machine yo arrêté yo. Gen jeunes garçons yo arrêté au la caillou, bat famille yo pour rien. Gen youn là-dedans yo qui dans deuxième année droit juridique. Gen on l'autre encore qui gen 17 ans qui fait filo, yo tout là et n'a demandé organisation droit de l'homme yo, Pierre Espérance, Marie-Olaine Gilles, rends-nous visite. Nos commissaires de Port-au-Prince pour un état moun sa yo e bagay ki pi mal que l'en doit vivre et pour fort dimanche et policier yo tout ki la policier yo et policier yo ki la ou elle a pli a tombé son pipi kembe yo pa gen côté pou al pipi pendant que yo en dedans pendant que policier yo en dedans là si la pli sa tap tombe ya c'est de la pli k'ap mouye yo. Ça veut dire que le pays a gaspillé 4 milliards 200 millions de dollars gaspillé, richesse pays a gaspillé, nous avons fait millions, policiers ont corporatisé, policiers ont protégé la population, ont sécurisé la population, même dans le commissariat, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de côté pour pipi, même manger, ils n'ont pas de manger. Pendant que je parle avant là, eh bien, policiers ont la piste à tomber à moi, c'est mouillé à mouiller. Ça veut dire ont bestialisé ce qui sont policiers là pour protéger des bandits habillés au sein de la PNH. Eh bien, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons, au niveau de l'opposition, bataille ça qui nous a mené pour délibération du pays, nous avons mené pour les policiers, nous avons mené pour les familles policiers, nous avons mené pour le pays d'Haïti. Et il y a un pile arrestation qui a fait à ce là. Tout le temps qu'il y a eu à travers tout le pays, il y a eu un enlèvement qui a fait et nous avons demandé un lever de boucliers autour de 50 personnes dans le pays. Là, et tous les secteurs vitaux du pays, ils ont campé pour dire non à l'inacceptable. Et heureusement, nous avons André Michel qui est dans son temps qui revient là. Nous avons tous les militants politiques qui sont là. Eh bien, ils ont porté solidarité. Solidarité, ils ont sorti. Bon côté Nenel, pour lui faire une Enol Florestal, pour lui faire une Anel Belize, pour lui faire une toute militante persécutée dans le pays. Et je dis à la, ce n'est pas question de libération seulement. Quitte Nenel libéré, quitte va libérer, quitte Enol Florestal libéré à ce là, des actes tentatifs de kidnapping ça. Nous sommes capables de lever des boucliers à partir de ce là même. À partir de ce là même. Et pour demain parler avant là. Mais c'est parler comme ça. Pendant que parlé à la, nous apprenons que yo sénè ka docteur Chilel Rido, c'est tiré à tirer sous Kali, gon bon militant politique. Yo sénè ka yo, c'est même réalité 29 novembre 81, là où te kidnappé Liliane Pierre-Paul, Jean-Dominique, Matisse Garcia, c'est même bagarre là vivre là. Donc je dis à la fois bon lever de bouclier, il y a marché sur la presse, il y a marché sur la société civile, il y a marché sur classe politique haïtienne, il y a marché sur jeunesse universitaire là. Donc à partir de la page de qui est pas dans le pays, et pour arriver à bloquer très la mort ça, pour bloquer escadron la mort ça, ça va être un vrai faisceau qui doit faire sur le plan historique pour le faire au mois de 7 février 46 dans le pays. Député, dis-nous comment vous-même. Comment